Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui j'ai fait une excellente randonnée tout là-haut, ça s'appelle la Roche-Véran, ça surplombe Saint-Pierre-d'Entremont, c'est le village dans lequel on se trouve, on est au cœur de la Chartreuse et je vous propose de se retrouver tout de suite tout là-haut. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de la vidéo sur les drones en montagne. Et là, ça tombe bien parce que justement, j'arrive au sommet de la Roche-Véran. Alors, on est juste au-dessus de Saint-Pierre-d'Entremont, en Chartreuse. Alors la Chartreuse, pour beaucoup, ça évoque une liqueur qui est élaborée par les moines du monastère de la Grande Chartreuse. La Chartreuse, avant tout, c'est un massif qui est justement derrière moi, qui est situé entre Grenoble et Chambéry. Donc dans la première partie de la vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait, on a parlé des effets de l'altitude sur le vol des drones, puisqu'en altitude il fait plus froid et l'air est moins dense. Et puis on a également parlé de météo et de l'effet des courants thermiques. Donc dans cette seconde partie de la vidéo, on va parler de la réglementation et surtout des bons comportements à adopter en montagne. Et puis ensuite, on passera en revue les différents matériels performants aujourd'hui et on verra quels sont leurs avantages et leurs défauts. C'est parti! Parler des précautions à prendre lorsqu'on vole en montagne. La montagne est fréquentée par d'autres pratiquants. On va en croiser aussi bien sur terre que dans les airs. Alors sur terre, on va rencontrer des randonneurs, des grimpeurs, et dans les airs, donc de manière un peu moins fréquente, ce sera des gens qui pratiquent le vol libre ou le vol à voile. Tout d'abord, inutile de préciser qu'on ne va pas aller ennuyer des grimpeurs en pleine voie. Ils sont concentrés sur leur activité, qui n'est pas si simple, donc on ne va pas aller s'approcher d'eux avec un drone. Vis-à-vis des randonneurs, on imagine bien qu'après plusieurs heures de marche, ils arrivent au sommet, ils veulent profiter du panorama, manger leur pique-nique, ils n'ont pas forcément envie d'entendre un bourdonnement pendant 20 minutes au-dessus de leur tête. Vous avez peut-être vous-même remarqué qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, le drone apparaît comme une nuisance et plus comme une curiosité. Donc c'est simple, si on arrive et qu'il y a du monde au sommet, on s'écarte, où on attend et puis on évitera les sommets ultra fréquentés et les spots touristiques facilement accessibles. Après, si vous arrivez au sommet, qu'il y a un petit groupe de personnes, qu'il n'y a pas trop d'autres solutions et que pour des raisons de place et de temps, vous n'avez pas le choix, rien ne vous empêche d'aller à leur rencontre, de leur expliquer ce que vous allez faire. Ensuite, préparez mentalement vos prises de vue. Comme ça, il n'y aura pas besoin de s'éterniser en vol. 10 minutes, c'est déjà beaucoup. Et vous pouvez offrir à ces randonneurs une photo aérienne qui sera inédite et ils seront fiers de l'exposer sur les réseaux sociaux. Il s'agite un peu, c'est pas trop grave. Bonjour. C'est pas gênant, mais... non, c'est une chaîne YouTube, en fait. Voilà, c'est pas la télé. Alors, bien entendu, on pourra prendre plus de liberté par rapport au bruit s'il y a un vent très fort qui masque les nuisances de notre appareil, ou si juste à côté, on a une remontée mécanique bruyante qui, de toute façon, va couvrir le bruit de notre drone. Alors pour minimiser son impact lorsqu'on est en montagne, c'est sûr que la Nafi a un gros point fort puisqu'on l'entend très peu. À quelques dizaines de mètres, on le perçoit à peine. Le Mavic 2 Pro, lui, ça va, il est assez discret, le son est grave. En revanche, un carton rouge pour le Mavic Air qui, lui, est bruyant et qui émet un son plutôt désagréable pour l'entourage. Là, il y a au moins 200 mètres de gaz à côté de moi. Donc, en Chartreuse,
Les sommets dépassent à peine 2000 mètres, ceci dit. Les parcours de randonnée sont, malgré tout, assez exigeants. Alors un petit mot sur les autres usagers de la montagne, ceux qui sont dans les airs, dans le ciel. Alors là, il faudra être très vigilant et ne pas les gêner, et pas seulement pour des questions de civisme. Aussi bien en vol libre qu'en vol à voile, les aéronefs ont tout à fait le droit de voler sous 150 mètres sol, c'est d'ailleurs même une nécessité, donc il est complètement exclu d'imaginer que entre 0 et 150 mètres, on peut faire tout ce qu'on veut. Dans tous les cas, le drone doit laisser la priorité absolue aux parapentes, delta et planeurs. Et en montagne, encore plus qu'ailleurs, il est vraiment crucial de piloter son drone à vue, c'est-à-dire proche de soi et en dehors du nuage. En montagne, un parapente peut surgir de plus bas et monter très très vite lorsqu'il enroule un thermique, ce qui veut dire qu'on doit être vigilant dans toutes les directions de l'espace. Enfin, on est d'accord, la probabilité de rencontrer un de ces appareils est assez faible en général, sauf aux abords des aires de décollage, sauf dans les endroits qu'on appelle les autoroutes à parapente, il en existe en Chartreuse par exemple. Ceci dit, imaginez donc les conséquences d'une collision entre votre drone et ce type d'aéronef. Les conséquences sont si dramatiques que ça vaut vraiment le coup de prendre ses distances et d'être vigilant. Après la cohabitation avec les humains marchant ou volant, on a également la cohabitation avec la faune qu'on va trouver aussi bien au sol qu'en l'air. Dans tous les cas, le survol d'animaux n'est pas autorisé, donc on gardera bien ses distances avec les animaux d'élevage qu'on peut trouver dans certains alpages, mais également avec les bouquetins, les mouflons, les chamois et les dahus. Quant aux oiseaux, on va rencontrer deux types d'espèces, soit les rapaces qu'il faudra absolument laisser tranquilles et avec qui il faudra garder de bonnes distances, soit de petites espèces comme le chocard à bec jaune, habile, curieux et joueur. Autant un chocard à bec jaune qui s'approche le fait par jeu, autant il est exclu d'imaginer qu'un rapace s'approche de votre appareil par curiosité. Vis-à-vis des rapaces, donc, on garde ses distances, typiquement 150 mètres minimum. On ne vole jamais à un niveau supérieur à eux, car à ce moment-là, ils se sentent menacés. Et puis, on se renseigne sur les zones et les périodes de nidification. Ensuite, il y a des zones interdites, je pense par exemple aux parcs nationaux où un certain nombre d'activités n'est pas autorisé, et le drone y compris. Donc ces zones sont répertoriées sur le portail IGN. Et puis il y a également d'autres endroits où on ne fera pas voler son drone en montagne, ceux-là ne sont pas forcément répertoriés sur le portail IGN ou sur des cartes aéronautiques, donc là il faudra faire preuve de bon sens. Je vous donne un exemple, le célèbre monastère de la Grande Chartreuse. C'est une zone de silence, c'est une zone privée, donc il est complètement exclu d'aller faire évoluer un drone à proximité. Le dernier chapitre de ce dossier sur la randonnée en montagne avec un drone, c'est le matériel. Alors là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est gâté parce qu'il y a une large panoplie de drones qui font très bien l'affaire si on veut faire de la prise de vue en randonnée en montagne. Alors ça va du Spark au Mavic Air, à la Nafi, au Mavic Pro et au Mavic 2. De mon point de vue, tous ces appareils, ils sont d'un bon niveau en rapport qualité-prix. Ils sont assez compacts, ils prennent pas trop de place dans le sac à dos et donc ils constituent tous un bon choix pour la pratique du vol en montagne. Après, ils vont avoir chacun leurs avantages et leurs défauts. Alors si je prends le Spark tout d'abord, c'est le moins cher de tous, c'est le plus léger.
Le drone et la radio pèsent moins de 600 grammes. Les deux petits défauts, il ne fait que de la Full HD et l'autonomie est un peu juste. Ensuite, parlons du Mavic Air. Alors, le Mavic Air, lui, c'est le plus compact. C'est celui qui se range le plus facilement dans le sac à dos. La masse, 700 grammes pour le drone et sa radio. Il filme jusqu'en ultra haute définition à 30 images par seconde. Le principal défaut du Mavic Air, de mon point de vue, c'est le bruit. Donc il émet un bruit assez fort. Autre point un petit peu négatif sur le Mavic Air, c'est l'autonomie. On est à 16-17 minutes, c'est un petit peu juste. Après le Mavic Air, le drone Anafi de chez Parrot. Donc ses grandes qualités, c'est sa discrétion, c'est vraiment le plus silencieux de tous. Le drone et sa radio pèsent 700 grammes, comme le Mavic Air. Le drone Anafi produit une belle image en 4K avec un bon piqué. Ses deux principaux défauts, de mon point de vue, tout d'abord, il faudra le manipuler avec soin. Il fait un petit peu plus fragile que ses concurrents. Et le deuxième défaut, c'est qu'il est un peu moins rassurant dans son maintien de position. Donc ça peut inquiéter certains pilotes. Ceci dit, ça l'empêche pas de bien résister dans le vent et au gros thermique. Donc ensuite, on va trouver le Mavic Pro. Hein, je parle bien du Mavic 1. Donc c'est un appareil en fin de carrière. Ceci dit, ça reste une valeur sûre. Et puis on peut le trouver maintenant à des prix intéressants. Ses points forts, la stabilité, l'autonomie et également la robustesse de son signal. Les points faibles du Mavic Pro, c'est un appareil en fin de vie et il offre un rapport masse versus qualité de l'image un petit peu dépassé. Grosso modo, on a un appareil relativement imposant pour une qualité de l'image qui est à peu près similaire à celle du Mavic Air. Et enfin, je termine avec le Mavic 2 Pro. Alors, c'est celui qui offre la meilleure qualité d'image, indéniablement, aussi bien en vidéo et en photo, avec son capteur d'un pouce fabriqué par Hasselblad. On a aussi une très bonne robustesse de la liaison entre la radio et le drone avec protocole OQ5.2. Et puis, sa stabilité en vol qui est vraiment exemplaire, quelles que soient les conditions. Ses points faibles, c'est le plus cher de tous et c'est également le plus lourd avec 1,2 kg drone plus radiocommande. Toujours sur le chapitre matériel, parlons des sacoches de transport. Pour le Mavic 2 Pro par exemple, on préférera ce type de sacoche qui ne peut contenir que le drone, comme ça on pourra répartir les différents éléments dans le sac à dos. Plutôt que d'avoir une grosse sacoche qui prend pas mal de place dans le sac à dos, moi je préfère cette solution. Comme ça on peut mettre 7 éléments dans le sac à dos, on peut mettre des batteries dans les petites poches, ça permet de mieux répartir le chargement, de manière à mettre aussi ses autres équipements, son appareil photo, son trépied, sa gourde et puis une petite collation. Bon, là c'est vrai que je transporte deux drones, donc c'est pas forcément le bon exemple. J'ai l'Anafi et le Mavic 2 Pro. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ici on n'est pas les manches dévissables parce que vous voyez là, bon, j'ai le sac bien rempli, donc je suis obligé de compacter un peu. Et c'est dommage de forcer sur les manches comme ça de la radio. Les manches dévissables, ce serait une bonne option pour la prochaine version. Maintenant, parlons un petit peu de pilotage. Un point qui a son importance, c'est que lorsqu'on est en montagne, déjà, on ne va pas emmener sa piste de décollage hein, parce qu'on veut optimiser son sac à dos. On ne va pas emmener une piste qui va peser du poids, qui va prendre la place dans le sac. Donc, il faudra faire sans piste de décollage. En plus, les terrains en montagne sont souvent escarpés. Donc ici, on a une herbe assez fournie. Par endroit, on va trouver des cailloux. Donc il est exclu d'imaginer qu'on va pouvoir décoller du sol, en tout cas dans la grande majorité des cas. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est de s'entraîner sur son terrain d'entraînement favori à décoller et à atterrir dans la main. Donc pour la procédure de décollage et d'atterrissage dans la main, là on va se téléporter. Je vais vous montrer comment ça se passe en détail. C'est parti. Donc pour l'atterrissage dans la main du drone Anafi, on va le mettre en stationnaire, à peu près à hauteur d'épaule, pour ne pas être au niveau des yeux. On tient la radiocommande dans la main gauche avec le pouce sur le bouton atterrissage, prêt à appuyer. Donc je vais vous montrer la procédure. Voilà donc, à ce niveau-là, la télécommande dans la main gauche, prêt à appuyer. Donc on va d'abord pincer le fuselage par en dessous,
et appuyez en même temps. Voilà. Sur le drone Anafi, vous avez le ventilateur qui est en dessous, qui est assez exposé, ce qui veut dire que lorsque vous le posez dans l'herbe, même si elle est bien rase, bien coupée, vous avez l'herbe qui va rentrer dans le ventilo, le ralentir et puis peut-être faire souffrir le moteur. Donc ça, ça milite pour vraiment être, pour vraiment maîtriser les décollages et les atterrissages à la main. Donc ça, c'est bon à savoir, on évite l'Anafi de le poser dans l'herbe parce que voilà, on risque d'abîmer le ventilateur. Donc pour ce qui est du décollage et de l'atterrissage à la main avec le Mavic 2 Pro, là c'est un petit peu plus compliqué et c'est bien plus dangereux. Donc là je vais expliquer une procédure qu'on peut utiliser. Par contre, elle est réservée à des gens qui savent ce qu'ils font. Elle est réservée à des pilotes confirmés parce que là les conséquences d'un impact avec ce type d'hélice, ça peut faire très mal. Donc pour ce qui est du décollage au sol, c'est très simple, on le prend dans la main. Si on est tout seul, on met l'émetteur par terre, on lance la procédure de décollage, il se met en route et on le lâche. Et on prend un peu d'altitude pour se dégager. Maintenant, pour le rattraper en vol, là aussi la procédure elle est assez risquée, je vous montre comment j'opère. On va mettre la main sous le fuselage avec l'appareil environ 1 mètre au-dessus de la main et on va baisser les gaz bien à fond parce que si vous ne baissez pas les gaz à fond, l'appareil va refuser votre main. Donc il faudra baisser les gaz à fond, l'appareil va venir se poser dans votre main et au moment où il va la toucher, vous pincez et il va arrêter automatiquement les moteurs. C'est parti. Voilà pour la façon de faire. Donc vous vous entraînez dans de bonnes conditions, en dehors de toute situation stressante. Mettez un gant si nécessaire, comme ça en cas de problème vous ne vous faites pas trop mal aux doigts. Cette procédure elle est réservée à de bons pilotes, hein. Si on tremble et si on stresse à chaque fois qu'on le fait, il vaut mieux abandonner. En tout cas pour moi c'est une compétence très utile et quasiment obligatoire si on veut voler en montagne, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités de décollage du sol. Toujours sur le pilotage des drones, essayez de vous passer des modes automatiques, ça vous rendra plus productif, vous serez plus rapide. Hein. Donc typiquement, je prends l'exemple de l'orbite, hein, de ce qu'on appelle le point of interest. Vous pouvez très bien le faire à la main en croisant les manches. Donc ça aussi, vous pouvez vous entraîner dans de bonnes conditions chez vous. Ça vous permettra de décoller, de ne pas trop perdre du temps une fois au sommet et de faire de beaux plans caméra en orbite, sans utiliser les modes automatiques qui peuvent être un petit peu fastidieux à déclencher, ça prend du temps, on dérange plus les personnes qui seraient au décollage, donc pensez à vous entraîner à faire certains plans caméra uniquement en utilisant vos manches. Ensuite, un autre petit conseil sur le pilotage, hein, on en a parlé juste avant, lorsqu'on va voler dans le thermique, dans la turbulence, les drones ils vont un petit peu s'agiter, ils vont osciller sur tous leurs axes. On a vu que l'Anafi il avait un maintien de position un petit peu élastique. Donc ça va engendrer un petit peu de stress. Et là, il faudra faire confiance aux électroniques qui vont stabiliser l'appareil, parce que si vous commencez à vouloir donner des ordres dans tous les sens à paniquer, vous allez faire plus de mal que de bien. Cette vidéo est terminée, merci de m'avoir soutenu et suivi jusque-là, et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la produire. Et je vous donne rendez-vous sur la chaîne de Paladrone pour d'autres essais et d'autres tutos. Merci.